Bonjour à tous, nous voici à la fin de Star Wars bientôt. Nous allons voir ma partie préférée où on voit le bras, la main du moins, qu'on voit reconstruire par la machine qui reconstruit le bras de Luke Skywalker. Luke, nous sommes prêts pour décollage. Bonne chance, Lando. Dès que nous aurons trouvé Jabba le forestier et ses chasseurs de fruits, comme son père a eu le bras reconstruit à l'épisode 2 et comme on voit dans l'épisode 7, Luke avec le bras squelettique, ainsi que son père sur l'épisode 2, bras squelettique, là c'est une main carrément comme si c'était une vraie, ce que je ne comprends pas puisque Luke dans l'épisode 7, on voit une main squelettique. Bon, où est le problème? Je me le demande. Regardez, vous voyez, c'est une machine et on voit carrément la vraie main. Comme si c'était une vraie main. Alors, si on pouvait avoir une explication pour ça, Luke, épisode 5, à la fin, il a une main où on dirait une vraie main, mais c'est de l'électronique. Épisode 7, on voit que c'est squelettique sur le R2 dans la vision. Et son père, Anakin, pareil, dans l'épisode 2, on voit parfaitement que c'est un bras squelettique aussi. Donc, voilà. On aimerait bien avoir une réponse, voilà. Enfin, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous connaissez un peu la réponse ou pas. Voilà. J'espère que vous avez aimé, et si vous avez aimé, pensez à liker. À bientôt. Voilà.